Amis chimistes, bien le bonjour. Alors nous allons mesurer la viscosité du coca et du coca light à l'aide de cet appareil. Alors pour ceci, nous allons introduire le coca dans le tube d'entrée. On va l'introduire jusqu'au trait de jauge. Ensuite, on va aspirer à l'aide du tube avec un petit capillaire ici, en bouchant en même temps le tube de ventilation. Le coca va monter au-dessus de la boule d'entrée. Il va descendre. On va démarrer le chronomètre au niveau du premier trait de jauge. Le coca va continuer à descendre à travers cette boule de mesure. Et dès que le coca va passer, son ménisque passera à travers le deuxième trait de jauge, on arrête le chronomètre pour pouvoir déterminer la viscosité du coca. Les mesures que nous avons faites avec la viscosité montrent que la viscosité du cola light est plus faible que la viscosité du cola, et c'est un résultat auquel nous pouvions nous attendre car le sucre présent dans le cola augmente sa viscosité. Il faut dire que vous faites des études vachement intéressantes. Hein.